élèves de CM2. Aujourd'hui, nous sommes revenus à vous proposer quelques exercices pour consolider les leçons qu'on a déjà vues. Ce sont des activités de soutien numéro 1. Question 1. Calcule pour simplifier si cela est possible. A. 9 sur 4 multiplié par 1 sur 2. B. 2 sur 9 multiplié par 10 sur 8. C. 0,25 multiplié par 1 sur 11. Souvenez-vous de 0,25? On peut le remplacer par quelle fraction? À vous de savoir, à vous de chercher. E. 9 sur 4 divisé par 1 sur 6. F. 2 sur 7 divisé par 0,75. On peut remplacer 0,75 par quelle fraction? Et G. 2 sur 9 divisé par 8. Un nombre entier naturel. On passe à l'exercice 2. Complète le tableau suivant. C'est un tableau, il y a le rayon, diamètre, périmètre, l'air. L'air ou bien surface, c'est la même chose. On vous donne le rayon 10 cm. Je vous demande de calculer le diamètre, le périmètre et l'air de ce disque dans le rayon est 10 cm. La même chose lorsque nous avons le rayon est 5 cm. On passe à l'exercice 3. Calcule l'air de la partie coloriée. Vous voyez le schéma. Il est constitué par deux choses. Vous avez un disque et vous avez un carré au milieu. Et vous avez deux données. Le rayon de ce cercle, c'est 5 cm. Et le côté de ce carré, c'est 4 cm. Et je demande de calculer l'air de la partie coloriée. Seulement cette partie-là qui est colorée. Réfléchissez pour ces exercices et faites-le sur le cahier d'apprentissage à distance. Merci et à bientôt.